Lancez le module qualifié. Cliquez sur le bouton plus pour ajouter un nouveau foin. Donnez un nom à votre foin et répondez aux différentes questions de l'écran. Prenons l'exemple d'une parcelle que l'on appelle le clos. On est sur une première coupe. Il s'agit d'une fétuque élevée avec du trèfle blanc. Cliquez sur suivant. Vous accédez à une série de points d'observation ou de questionnements auxquels vous devez répondre. Les curseurs sont positionnés sur des valeurs par défaut. Ne cherchez pas à faire glisser le curseur, mais cliquez sur la réponse choisie. Vous pouvez revenir à une question précédente en utilisant les flèches situées de part et d'autre du critère indiqué. Vous pouvez agrandir les photographies qui illustrent les différentes situations. Un texte peut parfois compléter la photographie pour expliquer l'importance du critère analysé. Appuyez sur « Suivant » pour enregistrer votre réponse et passer à la question suivante. À la fin de chaque série de critères, un rapport intermédiaire est proposé. Continuez la saisie jusqu'au rapport final qui situe la qualité du foin et son score. En bas de l'écran, vous pouvez partager cette qualification avec vos contacts ou retourner à la liste des foins. Si vous avez plusieurs foins analysés, vous pouvez les comparer. Cliquez sur les petits cercles devant les foins à gauche de leur nom pour sélectionner les foins à comparer et cliquez sur le bouton « Comparer ». Vous pouvez aussi partager cette synthèse avec vos contacts via l'application et par mail.